de nos jours, les enfants sont de moins en moins attirés par la lecture. À Washington, aux États-Unis, un programme a été créé pour les aider à s'améliorer en lecture, mais aussi pour vaincre leur crainte de lire à haute voix. À l'aide d'un thérapeute très spécial, les enfants parviennent à vaincre leur timidité et à lire sans problème. Ce thérapeute, un petit matou, Raoul, un beau sacré de Birmanie qui adore les câlins. En échange de câlins et de ronrons, les enfants lui font la lecture, sachant que le beau matou ne les jugera pas sur leur talent de lecteur. Une belle initiative qui motive les enfants et qui gagne à être connue. Si vous manquez de place dans votre intérieur, voici ce qu'il vous faut. L'arbre à chat Coffee Corner. En effet, sa base en angle droit permet de s'installer dans le coin d'une pièce et d'économiser ainsi de la place chez vous. Un gain de place appréciable qui offre quand même à votre chat un grand espace de jeu et de détente. Le saviez-vous, la noix de macadamia est nocive pour les chats car elle contient une toxine qui attaque le système digestif, le système nerveux et les os de votre matou. Prudence donc. Dans l'agenda, le Cat Club de Paris et des provinces françaises organise une exposition féline les 23 et 24 avril à Saint-Quentin en Picardie. Tout de suite, le zapping buzz du jour, 5 secondes pour vous faire sourire. Partagez la Minute Chat sur vos réseaux sociaux et surtout abonnez-vous gratuitement à wamiz.tv pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. À bientôt !